Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je lis un autre livre de Geoffroy de Peinard. Le loup, la chèvre et les sept chevreaux. Le loup, la chèvre et les sept chevreaux. Ce jour-là, Igor sort de chez lui en chantonnant. Cette journée sera mémorable, se dit-il en montant dans sa voiture. Et le sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il va d'abord chez l'épicier. Puis chez Belle Patte, le chausseur. Il fait quelques emplettes dans la boutique de Viviane et termine par Raymond, le parfumeur. Ses achats terminés, Igor quitte la ville, gagne les bois et gare sa voiture derrière un bosquet à l'abri des regards. Pom 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 pom, chantonne-t-il en retirant soigneusement ses habits. Tralala, une bonne douche de farine. Tagada, soin, soin, enfilons cette jolie robe. Et ces coquets escarpins. Un soupçon de fleurs de chavignol, et me voici enfin prêt. Igor se dirige ensuite vers la maison de la famille Broutchou. Peu de temps après, Madame Broutchou sort de chez elle en disant « Je vais au marché, n'ouvrez à personne, et surtout, prenez garde au loup !» Puis, elle enfourche sa motocyclette. Elle est partie. À moi de jouer, à moi les biquets, jubile Igor. Ouvrez vite, mes petits, crie-t-il en imitant la voix de la chèvre. Le loup est dans la forêt. Trompés par son déguisement, les chevreaux lui ouvrent la porte. « Et maintenant, il est dans la maison !» ajoute gaiement Igor de sa grosse voix. Goulûment, il se jette vers les biquets. Mais dans sa précipitation, il se tord la cheville, s'empêtre dans sa robe et vient s'écraser violemment contre le mur. Boum ! « Oh, maudite chaussure, maudite robe !» a-t-il le temps de penser avant de perdre connaissance. Il faut téléphoner à papa, crient les chevreaux. Puis, il court se réfugier à l'étage. Monsieur Broutchou arrive au moment précis où Igor commence à reprendre ses esprits. Il le secoue par les épaules. Où sont mes enfants ? Gronde-t-il. Au même instant, Madame Broutchou rentre du marché. « Henri, que fait cette femme dans tes bras ?» Surpris, Monsieur Broutchou lâche le loup qui s'écrase par terre. Boing, boum. Explique-toi, Henri !» s'énerve Madame Broutchou. « C'est le loup, c'est le loup !» s'écrient les chevreaux en dévalant l'escalier. « Taisez-vous, les enfants, je parle à votre père !» Igor en profite pour prendre ses jambes à son cou. Madame Broutchou comprend sa méprise. Elle serre ses enfants dans ses bras. « Oh, mes pauvres chéris, comme vous avez dû avoir peur !» Quant à Igor, jamais il ne parla de cette journée mémorable.